drop the bass. What? Mec. Ce qu'on voulait, les gars, moi je suis en train de filmer là. C'est super flippant! Qu'est-ce qui se passe? Putain! Je suis dans la salle de bain avec la lumière allumée et j'ai aucune vue sur le reste, tu vois. À part que je vois tout en ombre. Et là, j'ai la porte de la cuisine qui n'arrête pas de se fermer. Ok, il y a Go. Ok, il y a Go spawn sur moi et il y a personne. Attends. C'est pas fini. Je ne renonce pas. C'est bon, la porte a disparu. Le fantôme est parti. Je flippais trop ma race, hein, putain, j'ai vu ça. Pourtant, c'est prévu que je me suicide parce qu'on a recommencé le serveur, juste pour prévenir. Et regarde un peu si. Ah. Tu sais. Ah putain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bordel de connard? Putain, putain. Mais c'est Régis qui ouvrait et qui fermait la porte tout le temps. Ah, je suis mort. Oh, c'était génial. Le pire, c'est que j'ai lancé la vidéo et tout, genre en mode oh putain, oh putain. Quel chien. Ça prend feu, putain. Elle est cramée en fait là. Brûlé, côtelette de porc, ennui plus 20, dépression plus 20, presse, moi. Fin, ma tresse. Putain, je suis. Mec, il brûle les côtelettes de porc, il s'ennuie. Oh, putain, le monde qu'il y a. Hey, you! Hey, over there! Qu'est-ce qu'on voulait, les gars? Franchement, là. Ouais, ouais. Choisis un bon spawn. J'essaie de voir si ça crame ou pas, mais. Allez, je vais peut-être mettre la map. Côté de Wem. Oh, enculé! J'ai passé dans la porte jusqu'à ce que je meure. Ils viennent tous pour moi. Ils ont choisi leur victime. Putain, mais et j'ai trop flippé quand, en plus, quand j'ai vu la porte qui s'ouvrait d'un coup, je me suis dit quoi? Comment c'est possible? Putain, trop de haine en moi. Mais ça brûle plus comme avant. Ah, j'ai été mordu là. Ah, voilà. Et je voulais boire un truc brûlé, moi. Non. Non plus. J'aime bien le coup d'arrosoir. Avec ma truelle. Pourquoi je te vois coincé dans la cuisinière? Bah écoute, moi. Ça veut pas, hein. Attention. C'est bien sûr le mec qui meurt vraiment. J'adore vraiment quand il meurt, c'est l'impression qu'il glisse par ta whoop là. Je fais des gâteaux, du cornichon. Même un avocat dans le four. Ah, je suis mort. Je suis en train d'imaginer la scène où tu vois un mec avocat en tenue dans un four. Et tiens, dans le serveur, je vois Die State Enter. Donc vous êtes entré en état de mort. Alors, Kevlar et Dead Goroth. Vous avez survécu pendant 8 jours et 7 heures. Vous avez tué 134 zombies. Mode de jeu multijoueur. Ceci est l'intro de la vidéo. What? Surtout quand j'ai créé un nouveau personnage. Bon, un cuisson dans la ville, c'est un peu compliqué. Putain. Là, il y a une barrière immense, les gars, puis on va arriver à d'autres grands magasins. Putain, derrière, fait chier. Et il y a une horde. La 50e. Ok, on contourne la barrière. Oh, shit. Passe dans les bois. Ouais, on passe dans les bois, comme ça, ils vont être perdus. Ah, il y en a dans les bois. Y'a quoi derrière les bois? Une horde. Kill it with fire!
Et ils sont toutes fermées là. Faut pas déconner non plus. De... Faut vraiment qu'on essaye de trouver un moyen de ressort. Oh, il met une maison verte. Mais elle est grosse. Oh, faut qu'on trouve une arme dedans. Ouais, j'ai trouvé une arme. Y'a un marteau, poêle à frire. Non, mais y'a un couteau de cuisine. Couteau de cuisine. Marteau, je prends le marteau. Prends le bain rouge. Merde, où est-ce qu'il y a mon couteau de cuisine? Voilà pour la fouir. La voile à fouir. La poêle à fouir. Fouillons. Ah bah, les gars, personne a vu où j'ai mis mon couteau de cuisine là? Non, je trouvais juste un couteau à beurre moi. Ah. Il est dans le frigo. Ouais, je l'ai. Je me permets de prendre la bouffe qu'il y a dedans déjà. De toute façon, ça va rentrer. Ah ok, on se casse. Oh shit. Ça va, Régis? Régis? Oh là là. Ouais. T'es pas mordu? Oh là. Non, ça va, j'ai une petite blessure, mais. Déjà? Ouais, mais c'est pas. C'est rien. Il a menti! Il cache ses blessures. C'est ça, quoi. Là, Et c'est puissant en fait la poêle à fouille. Putain! J'essaie. Ça. Faut que je renomme l'item en fait, la poêle à fouille. C'est clairement ce qui nous sert. Ah, il y a le gros, il y a l'entrepôt en fait ici en bas là. À droite. Est-ce qu'on essaie de faire des nettoyages ou pas? Attends, t'es où? Un petit peu d'armes. Je t'en les bois. Aïe, voilà. Dans quel bois? Lui qui est en bas là. Viens, descend ici, je pense. Non, il y a le mur, il y a une palissade. Merde. On pourrait pas passer. Ah, j'ai pas le temps de me retrouver sur la map, fais chier. C'est pas important ça. T'es pas sur ce genre de map, t'es un survivant. Follow. Palissade, non, il y en a pas là. Comment il y a l'air trop, c'est un arbre. Il y a un barbecue. Kevlar ? Oui. S'il est au barbecue, il est loin, mec. Monte. Vous êtes en bas, putain, vous ? Mais c'est quoi tous ces milliards de zombies, quoi ? Vous êtes ensemble, vous ? Ouais. Merde. Vous qui avez pété. Ok, c'est pas vous qui avez pété une vitre. Moi, ça augmente un peu le sprint, c'est déjà pas mal. Putain. Ils sont derrière toi. Quoi derrière moi? Qui? Moi? Non, non, derrière Régis. Non, vu qu'on est groupé. C'est tout là. Terrain de basket. Monte vers le nord-est. Ah, vous êtes monté finalement? Ouais, bah oui. Moi je suis descendu, on va aller vers le bois. Oui, c'est eux pour monter là, putain. Putain, mais laisse tomber quoi. Laisse tomber. Oula! Ah ah! Eh merde! C'est là? Sérieux? De toute façon, on n'a pas le choix, viens. Je crois qu'en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est un qui va devoir passer en courant, gueuler, les attirer, puis les autres vont fouiller. Jusqu'à ce qu'on puisse savoir de quoi. Bloqué moi, putain. Je vais arriver dans un endroit, j'aurais jamais dû y aller. Il y a des palissades tout autour de moi. Je suis un peu baisé. Il repleut. On est en mars en même temps. Hein. Oui, t'es un connard d'avoir voulu remis en mars. C'est avril, moi. Putain, mais c'est exagéré. J'ai jamais vu autant de gens dans la vraie vie, quoi. Bah oui, c'est en mars. Il fait froid, tout le monde reste chez soi. Du coup, ils sont tous fait choper pendant l'apocalypse zombie. Et là, je suis mouillé. Putain. Et je suis quand même perdu par rapport à vous. Non, on peut rentrer. Ah non, on peut pas rentrer. Par contre, j'ai semé la horde de zombies. Ah, le GSM loin des haut-parleurs, s'il vous plaît. Ah, c'est ouvert. Vite. Oh putain. Dans une maison, moi, les gars. J'ai une batte de baseball.
Des cigarettes. Un droit. Hé hey, ça va? Je sais pas où aller. C'est bon, moi je suis tranquille. J'ai même deux battes de baseball. Allez. Oula, il y a du sang ici. Le jardinage pour les nuls. Parfait. C'est celui qui me manquait. C'est le dernier de la collection. Paquet de radis. Tu as commencé à prendre tout ça. Putain, mais ça me gave tellement qu'il y ait autant de zombies. C'est exagéré. C'est exagéré. Moi, ça va très bien. Faut qu'on trouve un endroit où il y a une alarme et qu'on la pète. Qu'on pète la vitre et... Non, moi, ça va très bien. Mec a tenté un peu. Le mec insiste. En dessous derrière toi. Deux. Là, derrière la maison. Viens, viens. Justement, ouais. ils vont entrer dans la maison là. Ouais, c'est bon. Oh putain. Non. Non. Voilà. Merde, par contre ils savent. Ma vite, faut non. Des trucs. Ok. Mec, y a pas d'autre fenêtre. Ah si. Et il faut sortir par ici, par en dessous. Régis. Ouais, attends. Bien sûr, rien. J'ai perdu mes amis. Il se soucie même pas de si si on est dans si si on est enfin, il faut que je t'explique où on est. Vous êtes beaucoup trop loin de moi et moi je suis tranquille, il n'y a pas de zombies. Il faut que ça s'ouvre. Oh, il y a un zombie. Oh mais si on a qu'un ça va, je veux dire. Ou alors ici bon. Peut-être. Ellipse. Ah oui, Kev, la rue 103. I see you. La vitre est pétée à l'intérieur, Kev. Ouais, c'est possible. Et alors la porte est ouverte hein. Juste à côté de la porte est pétée. La fenêtre est pétée. Attends, non, je vais trouver la porte de derrière en fait. Google. Ouais, je sais les pour les fenêtres, mais bon. Alors, j'ai dû tomber okay. Ces deux putes là, l'étage est clear. On a cette fenêtre, cette cuisine là. Ici, on a des bibliothèques. Dommage, je suis lettré, mais ouais. Moi, ça m'intéresse, mais même pour ranger tout, je veux dire. T'as un étage avec une chambre. Il y a une petite commode. Je te fais la visite de la porte. Ici, c'est comme on avait dans la maison d'avant. C'est des KGB, on peut mettre des affaires de merde. Des affaires de merde. Ah ouais, en effet. Ici, il y a un coin de chambre, deux containers en gros. Et là, ça c'est de magie. Matza. Ici. À partir du spoon, je dois aller voir. Salle de bain, ouais. Et ça c'est quoi? Oh putain. Cartouche de fusil à pompe. Anto, 321 de ping, t'abuses pas un peu? J'ai rien fait moi. J'ai 44 de ping. Ah, 253. Je dois aller où? Dans quelle maison par rapport au point de pop? Alors, le point de pop. Ah, je sais pas par rapport au point de pop. On t'a expliqué. Faut que tu montes. Faut que tu montes et tu vas trouver une. Donc, faut que tu montes jusqu'à trouver une palissade. Et une palissade, t'auras des fleurs. Et nous, on est la maison juste devant la palissade de juste devant le truc de fleurs. Ok, moi j'ai déjà un sac à dos. Je trouve la maison. Je nettoie la maison. Il me vole le loot. J'ai trouvé une truelle. Ils se vantent avec cette truelle. J'ai une autre truelle. On va falloir nettoyer le quartier, hein. Ça c'est. Ouais. Comment on fait pour entrer? Bon, en fait, c'était la maison juste à gauche, juste à droite, que je kiffais bien. Juste à droite, c'est-à-dire? Du parterre de fleurs. Et t'es la fouillé? Non, mais c'est parce que l'intérieur est plutôt cosy. Ouais, non. Après, il faut voir si entre cosy et. Utilité, tu vois.
Non mais si c'est cosy, c'est Bah mieux. toi t'es où là? Je suis dans la rue moi. Je vais essayer de rentrer dans la... Oups, j'ai un zombie. Je suis au niveau du parterre de fleurs. Wow! Ce coup de tonnerre qui va me faire chier dessus. Putain! Oups. Tellement inattendu Oh, quoi. c'est chaud! C'est ça Mars, hein, écoute. Et je vois pas du tout. C'est quel parterre de fleurs? Le grand là? Parce que j'en ai vu un autre en bord en fait aussi. Donc c'est pas cette maison là, c'est encore celle-là après. Encore plus haut. Ouais, juste sur l'allée de garage, en fait, tu as les parterres de fleurs. Sur l'allée de garage. Je me demande si c'est le grand parterre, et Bah, puis juste à oui. côté, t'as une maison avec sur son allée de garage des fleurs. Bah, t'es devant. Ouais, je suis derrière toi, mec. Putain. Voilà, la maison où t'as un zombie qui tape la tête dessus. Celle-là est bien. Celle-là, elle est bien. Elle est cosy. Oh, d'un coup sec. Évidemment. Elle est cosy, donc elle est fermée. Non, elle est ouverte. Ah. Tu veux venir m'ouvrir la porte? Ah non, ça va. Non. Alors, les cordes de drap, moi je sais T'es toujours pas à dedans? quoi elles servent. Écoute, ouais. J'en avais fait une pour sortir par la fenêtre, tu vois. J'ai jamais réussi à les mettre. Moi non plus. Vous allez voir sur internet en gros. Ah, j'ai du chocolat. Il était méga chez lui par contre. Putain non. Tu feras pas du dessus, voilà. En toi, tu as envoyé vers la cuisine encore. Fais ça à chaque fois maintenant. Mais tu vois, des avantages avec celle-ci, c'est qu'on n'a pas les 4 caisses qui peuvent compter à 40, 50 trucs chacune, tu vois. Ah ouais, non, on est d'accord, mais elle est cosy. En fait, elle est. Non, elle est bordélique, je sais même pas comment redescendre. Voilà. Mais regarde ici les Mec, c'est papiers pas. moche. Les papiers pas. Dégage, on reste à l'autre. Vous avez des armes, c'est bon? Ouais. Moi pas. J'ai les armes, alors je décide la maison. Non, elle était, la première, je trouve qu'elle était plus pratique niveau même espace. Ouais, non, elle est très bien, elle est très Celle bien du la milieu, je première. la regarde. Écoute, je vais prendre tout ce qu'il y a dans le frigo. Je vais essayer d'ouvrir, d'aller visiter celle du milieu quand même pour voir. Ok. Putain. C'est comme dans How to Survive, ça me faisait toujours flipper les putains de trucs. Surtout que ça prévient vraiment pas, quoi. Ouais, t'as pas un petit éclair, c'est qu'il fait court. Vraiment. Ah non, c'est... Mais vraiment, la gueule d'un coup, quoi. Et il pleut, du coup, dehors, ou c'est juste un orage? Non, il pleut pas. Non, c'est juste un orage. Un Un orage orage de d'été. chaleur. Un orage d'été en mars. Mais petite. Un orage. J'ai un club de golf. Un orage. Ah, genre, en fait, moi, je suis au corpsman médical. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, il m'a dit de monter, alors je suis monté. Oh, mais t'es monté beaucoup trop haut. T'as vraiment pas la map en fait. Bah, pas sous les yeux. Non. Mais ça aurait été bien parce qu'en fait, t'es beaucoup trop haut. Genre, nous, t'étais toujours le petit pâté de maison, tu vois. Dommage, t'as gaspillé ton couteau pour rien. Celle-là, elle est Vrai que ça merdique, suffit. y a rien comme espace dedans. Mais on t'a fouillé au moins les meubles. Non, j'ai pas fouillé les meubles. Je Pas regarde un peu dans encore, c'est l'espace. juste pour regarder vraiment où ce qu'on Non! s'installe. Non! Oui! Dégage la pluie! L'orage. Voilà. Il y a un connard qui voulait péter la vitre de notre Par maison. contre, dans le sound effect, on entend qu'il pleut. Ah ouais. Je vois toujours pas où vous êtes, hein. Suis les coups de tonnerre. Mais t'es où? Parce que si t'as pas la carte, on saurait pas vraiment t'aider en fait. Donc, hein. Ouais, je suis à peu près là où on a pop. Et je sais Donc pas où j'ai c'est pop. moi donc. Antoine? Bah ouais, alors. Quand on a pop, d'accord, tu remontes. Oui.
Si c'est exactement là où on a Pop, je vais te chercher. Bah oui, je suis là. Attends, je vais même vider les poches par contre. J'ai juste masse de zombies. Attends, les parterres de fleurs, c'est pas les... C'est trucs roses que tu dis là? Ouais. Alors, t'as 4 trucs roses. Ah, je te vois. Ouais. Remonte. Tu me vois ou pas? Mmh. Ok, bien. C'est par là. Les zombies, t'inquiète, ils sont inquiets pour plus tard. Alors, c'est la... Pas cette maison là, c'est celle encore en bas. Ouais, c'est là qu'il y a cadavre. Ouais, voilà. En fait. Ok, ça. Je vais voir. Et là, par contre, là en bas, il y a une horde, par contre, faudrait qu'on s'en occupe parce que. Elle se risque, elle se déplace. Bon, après, Anto, toi qui voulais voir comment ce serait l'érosion, etc., après 100 jours, et ben, t'as déjà un avant-goût vu que l'entrée principale, elle est dans l'herbe. Ouais, ouais, c'est ça quoi. Bizarre. C'est un peu spécial. Bizarre, ouais. Attends, je suis en train de trier. Du toute coup, la... vraiment visiter si ça vous plaît pas ou on change de maison. Hein. Moi, après ça, ça me... je trouve ça sympa. Mais... Ouais, non, elle est cool, elle est cool. On peut se regarder à l'étage. Il y a pas mal d'espace pour ranger. T'as déjà fouillé en haut, toi, du coup? Non. Ah, si, oui. T'as trouvé des trucs intéressants ou pas? Des cartouches de fusil à pompe. J'ai dit intéressant. Ça reste quand même intéressant. Sac marin, voilà, ouais, je le dis pas. Un drap, je le dis pas non plus. Sac marin, je prends. Mettre sur le dos. Yeah. Chaussettes, je prends. Non. Un sac à gravat vide. Écoute, okay. C'est un sac. Je cherche pas. Alors, est-ce que les fenêtres, ça se passe comment les fenêtres? Là c'est fermé, là c'est fermé. Là je vais accrocher un drap aussi. Fermer les rideaux, ok. Il reste plus qu'une fenêtre. Ah non, j'ai rien. Si, là il y en a quoi, il y en a derrière. Oh, merde. Ça va en fait. Je vais les rechercher. On peut faire cuire du rat? Ouais. Ouais. D'ailleurs j'ai faim, t'as parlé de rat. Tu sais, moi. Bon, j'ai une pomme. Moi il y aura. T'as une arme en toi du coup finalement ou pas? Club de golf et un couteau. Ah ok. Ouais, je voulais dire une vraie arme parce que je suis en train de faire tous les meubles de la cuisine pour tout trier. On va faire une petite ellipse pour s'installer. Ouais. Et on reprend après. Vas-y viens. Je fous toi à terre. Mais sérieux? Putain. Il s'est fait mordre. C'est parce que t'es noir, t'es le premier à mourir. Ouais, c'est toujours comme ça dans les films, tu sais bien. Putain, j'avais dû prendre le personnage noir. Bouge pas, Régis. Mets-moi le feu. Non, fais pas ça, toi. C'est le feu, on est mort. N'oubliez pas que les blancs sont la Master Race. Les PC et Master Race. Et voilà, directement. Mais non, mais c'est parce qu'il y a la blague, le noir qui meurt tout le temps premier, et qu'en plus il ressort à Gordon Freeman vu qu'il est vieux. Enfin... On va faire du bruit dans le haut du quartier. Enfin... Regarde trop. Voilà. Ah. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait ne pas te tuer, et du coup, on entend se lire en tous les autres corps. En fait, tu serais toujours vivant, on pourrait te dire coucou de temps en temps, mais tu pourras pas bouger. Une bonne idée ou pas? Vous avez entendu ou pas? Non. Non. Ok, donc ça, je suis déjà au niveau des coups de feu, je suis déjà suffisamment loin de la maison alors. Là, on voit tous les zombies qui passent à côté de nous. Salut. Vraiment? Non. Mais j'aimerais bien. Affection médicale. Ah ouais, on a le Cortman médical, donc je vais peut-être les. On est plus loin que le Cortman. Mais sur critique, mordu, saigne, infecté. Il pisse du sang à ses pieds. T'as été mordu au cou en plus, putain. Mec. Ah donc c'est la belle saignante. En fait, le seul moyen d'éradiquer ça, c'est que t'aurais dû te... On a dû te couper la tête en fait, c'est un peu con du coup. Est-ce que je peux faire une croix gammée avec le sang? Ah voilà. Faudrait que je nettoie ça après. En plus c'est pas politiquement correct. Et il le fait vraiment à des caches. Je l'ai plein de javel vite.
Allez, c'est parti. Il est où? Putain. C'était caché, genre. Get out. Bon, je vais courir sur les zombies, j'en ai marre, c'est trop long. J'arrive plus à enlever le sang ici. Mais je peux plus. Ah, j'ai peut-être plus de javel en fait. Ouais, le javel est vide en fait, d'accord. Attends pour moi. It is my fault, it is my fault. Faudrait pouvoir mettre des points. Moi j'ai des pains. Je peux mettre des points. Bon. Bon bah je suis mort. Quelle est. Si tu vois zombie en slip, c'est moi. Ah oui, c'est vrai. Il n'y en a aucun qui sont en slip pour le moment, donc... Enfin, c'est repéré en vrai. Bon. T'es où, toi, là? En pleine forêt, j'ai tiré des coups de feu en pleine forêt. Mais vraiment en pleine forêt, c'est-à-dire... elle est ultra dense, cette forêt-là. Cool, tant qu'ils rentrent dedans et qu'ils en sortent. Ils sont partis pour quelques jours. Le temps de respawn. C'est ça, quoi. Non, ouais, franchement, ici, je pense que là, on en a. On a paumé quelques-uns. Bon. Ah, donc là, en termes de cleaning du quartier, je pense qu'on est bon. Je suis toujours fatigué, putain. Et du moins, c'est mis en pression. En fait. Mmh. Il y a une maison à poser qui a du monde. Moi, je suis prêt, je rentre dans le corps plein de médical, sauf que j'ai pas d'armes. Je viens d'y penser. On va voir. Fromage. En plastique. Bouillard. Des chips. Des chips. Javel. Ah, il y a un micro-ondes ici. Allumer le micro-ondes. Éteindre le micro-ondes. Utiliser le micro-ondes. Je peux pas prendre le micro-ondes. Le con. Ah, je suis plus fatigué, c'est bon. J'ai plus de malus du coup. Foncer d'un coup. Easy peasy game, easy peasy game. Bon, l'étage, je fouille. Bon, ça aussi d'abord. Antifreeze, balle de coton, c'est vraiment quelque chose ou pas ça? C'est du trash loot. Ramon. Boule de coton? Ouais. Le coton, non, c'est. Quand t'as une otite, toujours intéressant. Non, justement, ça s'applique sur les grosses plaies, ça. Ah, la cuisine niveau expert. Magazine, j'aime pas! Vide! Ça te fouille une armoire, donc j'entends derrière moi. Explose! Bouteille de désinfectant, lingette d'alcool, antidépresseur, bon. Ah! Cette souffrance pour les oreilles. Un drap, hein? Chemisier, pullover, je prends un peu de tout. Qui en termes de... Et en vrai il y avait masse monde dans la maison les gars. Quelle maison? La petite maison qui avait... Où il y a une allée avec des rangées de fleurs devant. Juste en face de notre, de la nôtre en fait. À chaque fois que j'ouvrais une porte, il y avait des zombies derrière presque. Et là, dans le petit KGB, normalement, il y a les outils, il y avait deux, donc j'ai refermé la porte, je me suis barré parce que. Pas déconner, c'est un peu dangereux. Bon.
Maison est condamnée. C'est trop chaud, putain. Mais quel Ouais, je commence à jeu avoir chaud de maintenant. merde. En fait, faudrait condamner les maisons. Les autres maisons, tu mets des planches devant les portes, puis... Les zombies savent plus sortir, savent plus rentrer, enfin sortir de la maison. Ouais, je vois. Sauf s'il la défonce à force, mais bon. Sympa comme coin, en tout cas. C'est plutôt easy tranquille. Et j'ai soif, putain. Bois, connard. Bois! Alors, rangeons un peu. Fromage. J'ai des vêtements et beaucoup de trucs. Et chips! La javel. Magazine, si jamais vous ennuyez ou vous voulez vous suicider. Je suis lettré. Ah oui, juste. Antos, s'il commence à faire une dépression, le seul moyen de faire ça, c'est de tuer du zombie ou de se suicider. Ou de faire des câlins. Je disais donc, tuer des zombies ou se suicider. Ou manger du chocolat. Oui, c'est vrai, le chocolat, oui. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai. T'as fait chier qu'il n'y ait pas de lumière dans cet étage, quoi. C'est quand même pas normal. Moi, c'est. Je tolère pas. Bon. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'on n'a pas de pain. Quel pain? Non. Faudrait qu'on en fasse. Avec de la levure. De la levure. On a de la levure. Dans le meuble du coin. Ouais, oui. On a un. La menuiserie niveau intermédiaire. Il nous manque de la farine. Ah. On manque de la farine, merde. Bon. Si vous trouvez des trucs pour faire du pain, prenez-le.